À la une ce soir, la deuxième journée de festivités pour le cinquantenaire de la RTI. En toile de fond, une conférence sur les médias publics. Des écoles récompensées pour leur participation à un concours sur la protection de l'environnement, une initiative de l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Enfin, dernière ligne droite de la campagne électorale à Madagascar, deux candidats en lice pour le second tour de la présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Ça y est, c'est parti pour le lancement aujourd'hui de l'opération Abidjan Ville Lumière par la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. La cérémonie se déroule ce soir à l'hôtel du district d'Abidjan. Plusieurs personnalités assistent également à l'illumination d'Abidjan. Des journalistes de Côte d'Ivoire formés sur les technologies de l'information et de la communication, l'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des journalistes pour une meilleure compréhension des enjeux liés aux politiques TIC et à l'usage des outils TIC dans les médias. Une centaine de journalistes ivoiriens participent à ce séminaire de formation. Objectif, s'imprégner de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la presse ou dans les médias en général, quand vous regardez les publications ou les contenus sur ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, la qualité n'est pas toujours à la hauteur. Et donc ça tient au fait que les acteurs de ce secteur-là n'ont pas forcément les outils et n'ont pas forcément les capacités et la connaissance pour pouvoir aborder ces sujets-là. En plus de la formation en TIC, les journalistes sont instruits sur les techniques d'expression écrite et orale. On sait très bien que lorsqu'on échange avec quelqu'un, l'essentiel ce n'est pas uniquement ce que l'on dit, mais il y a aussi la manière dont on dit ce qu'on est en train de transmettre à notre interlocuteur. Acteur important de la vulgarisation de l'information, les journalistes saluent cette initiative. Aujourd'hui, l'information chasse rapidement une autre. Donc les journalistes que nous sommes, nous devons nous adapter à la nouvelle technologie pour que, en espace d'un moins rien de temps, nous puissions rapidement véhiculer les informations pour permettre au public qui nous suit d'être au même niveau d'information dans le monde entier. Il ne faudrait pas qu'on se dise que parce que nous sommes journalistes sur Internet, donc le web doit ôter tout ce qui est déontologie et éthique. Ce séminaire, qui va durer 2 jours, a pour thème central le journaliste moderne, compétences et outils technologiques. Plusieurs modules de formation au programme, notamment le nouvel environnement des médias d'aujourd'hui et le journaliste moderne esquisse d'un portrait robot. C'était un reportage de Serge Collier. Il y a eu plus de peur que de mal la nuit dernière dans la commune de Cocody. Un incendie s'est déclaré dans l'un des bâtiments du Centre de bureautique de communication et de gestion, le CBCG. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Scène de désolation au Centre de bureautique de communication et de gestion CBCG. Ce bâtiment abritait hier encore salle des professeurs, salle multimédia et réprographie. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un tas de ruines. L'incendie survenu dans la nuit du mercredi a tout ravagé. Documents administratifs, ordinateurs et autres biens matériels. L'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Un coup dur pour la direction de l'établissement. Hier, à partir de 23h, il y a un incendie qui s'est déclenché, dont on ne connaît pas pour l'instant l'origine. Pour l'instant, on ne peut pas estimer, mais les dégâts sont extrêmement importants. Nous demandons à toutes les bonnes volontés, aux autorités du ministère, de nous venir en aide, de faire en sorte qu'à la reprise en janvier, nous puissions avoir le minimum pour qu'il n'y ait pas de perturbation du tout. Ces éléments du commissariat du 8e arrondissement de la commune de Cocody ont été les premiers sur les lieux. C'était depuis hier aux environs de 23h que nous avons été informés. Dada, on a informé les pompiers qui sont arrivés. 5 minutes après, nous y étions. On a sécurisé les lieux, les pompiers ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ça a donné ça. Sinon, ça pouvait prendre dans tous les autres bâtiments. Le drame n'a pas perturbé les cours. La période des congés de Noël et de Nouvel An sera mise à profit pour réparer les dégâts selon les responsables de l'établissement. Un reportage de Grace Kando.
Trois établissements scolaires récompensés aujourd'hui pour leur participation au concours dénommé « Balai devant ta porte, spécial propreté en milieu scolaire ». Il s'agit d'emmener les élèves à respecter et à protéger l'environnement. C'est une initiative de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, l'ANASUR. L'école, lieu d'apprentissage, de formation et d'éducation, où sont enseignées plusieurs valeurs, notamment la propreté de l'environnement. Une réalité à laquelle adhère l'Agence nationale de la salubrité urbaine. L'ANASUR initie donc un concours pour impliquer davantage les élèves dans la protection de leur environnement scolaire. L'école est un terreau fertile pour éduquer nos enfants, pour leur inculquer les bonnes manières. Les enfants vont à l'école et ils apprennent donc ces bonnes manières et à la limite ils corrigent les parents, ils corrigent l'entourage. La propreté des classes et des latrines, la collecte des ordures et l'embellissement de l'école, quelques critères de choix et trois écoles primées, Cocody Danga, Akwe Santé de Bengéville et le groupe scolaire Cipores de Yopougon. La salubrité en milieu scolaire faisait partie de nos habitudes avant ce concours. Aujourd'hui n'est qu'un couronnement. Chez nous, chaque élève est un peu le gendarme à côté de son ami et nous ne laissons pas tomber un seul bout de papier à terre. C'est des valeurs qu'il faut inculquer à nos enfants, ceux qui seront les responsables de demain. Et il est tout à fait utile de leur montrer comment on doit vivre dans la société. Ce concours est venu pour nous épauler un peu parce qu'ils nous ont donné du matériel et avec ça, nos enfants continuent la propriété des écoles. Ce concours, lancé depuis le 24 octobre 2013, a mis en compétition 52 établissements scolaires du district d'Abidjan. Un reportage de Franck Wadio. Les États-Unis volent au secours de la Centrafrique. Washington annonce aujourd'hui 15 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire pour le pays. Dernier jour de campagne électorale à Madagascar. Demain, vendredi 20 décembre, les Malgaches sont appelés aux urnes pour élire le premier président de la 4e République. Deux candidats en lice, Jean-Louis Robinson, arrivé en tête du premier tour avec 21% des voix, et Herri Rajao avec 15%. Dernier meeting de campagne dans la capitale malgache où la population s'apprête à désigner vendredi son nouveau président. Deux candidats sont en lice pour ce second tour, Jean-Louis Robinson, soutenu par l'ancien président Marc Ravalomanane, et Rassonnerie Mampian, poulain du président de la transition, André Rajoline, interdit de scrutin. Dans son meeting ponctué de chants évangéliques, le docteur Jean-Louis Robinson a affirmé vouloir reconstruire son pays, malade de la corruption. Il a plutôt laissé de bons souvenirs dans les campagnes malgaches lorsqu'il était ministre de la Santé. Le pays est malade, il a besoin d'un médecin de confiance, a affirmé l'ancien président Ravalomanane depuis son exil sud-africain. Considéré comme un homme intègre, Jean-Louis Robinson a obtenu le soutien de plusieurs petits candidats. Il croit en ses chances et a appelé ses militants à la vigilance. Nous n'accepterons pas les fraudes. Qu'on ne nous vole pas les voix du peuple. Tous les Malgaches vont observer les élections. Ils seront derrière nous pour dénoncer les fraudes. Face à lui, R. Hazanori Mampian, ancien ministre des Finances, fortement soutenu par l'ancien homme fort du pays, André Rajoline. Malgré le bilan contesté de son mentor, R. Hazanori Mampian s'est engagé à relancer le développement du pays et à lutter contre un chômage de masse. Je connais les problèmes de scolarisation des enfants, les problèmes de santé, les problèmes des jeunes, des femmes, des paysans, les problèmes sur la sécurité. Je t'ai entendu, Tananarive. Un scrutin présidentiel, mais aussi législatif, le futur président devra pouvoir s'appuyer sur une majorité au Parlement. Les Malgaches espèrent que cette élection, tant attendue, sonnera la fin de la crise politique et économique qui touche le pays depuis 4 ans, car tout est aujourd'hui à reconstruire dans la grande île. En bref, maintenant, l'agenda du souverain pontife. Le pape François va effectuer une courte visite en Israël et dans les territoires palestiniens à partir du 15 mai 2014. Il s'agit là de sa toute première visite en Terre Sainte.
La colère aujourd'hui de milliers de Mauritaniens, les militants de la coordination de l'opposition démocratique, la COD, ont manifesté récemment dans la capitale Nouakchott. Ils dénoncent des élections législatives et municipales unilatérales. À noter que le second tour est prévu le 21 décembre prochain. En France, le président d'honneur du Front national a été condamné aujourd'hui à Paris à 5 000 € d'amende pour ses propos sur les Roms. Selon Jean-Marie Le Pen, cette communauté volerait naturellement comme des oiseaux. Recherche de solutions dans la crise entre les États-Unis et l'Inde. New Delhi tente aujourd'hui d'apaiser les tensions avec Washington. Ces conflits sont nés de l'arrestation d'une diplomate indienne à New York, accusée d'exploiter son employé de maison. Le secrétaire d'État américain a exprimé mercredi ses regrets à l'Inde après l'arrestation et la fouille au corps de la consule générale adjointe indienne à New York. L'interpellation le 12 décembre dernier de la diplomate accusée d'exploiter son employé de maison a provoqué une mini-crise diplomatique entre New Delhi et Washington. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais rappelons que le district d'Abidjan devient une ville lumière à compter d'aujourd'hui. Et c'est la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a procédé au lancement de l'opération. Très bonne soirée à tous sur RTI 2, bien sûr.